Les résultats sont pas bons quand on gagne pas, forcément, mais les contenus sont plutôt intéressants. Donc après, les poteaux, les transversales, les arrêts du gardien font partie du jeu. Ça veut dire aussi qu'on se procure les situations, donc c'est ça qui est bien. Moi, je leur ai dit à l'issue du match de Sochaux qu'il fallait continuer à travailler et puis forcer la décision en étant un peu plus judicieux dans le dernier geste ou en mettant un peu plus de conviction dans la dernière passe éventuellement. Je sais pas comment on peut l'expliquer. Vous savez, à chaque fois qu'on joue un match, on joue pour le gagner. Après, peut-être qu'il y a plus d'appréhension contre les petites équipes. C'est évident, parce que contre les grosses, voilà, on n'a rien à perdre. Mais voilà, demain, on se doit de gagner, un point c'est tout. Honnêtement, je ne me fais aucun doute. Voilà, j'ai une confiance totale envers ce groupe. Il sait pourquoi il est là, il connaît sa mission. Moi, je ne leur parle jamais... dire il faut gagner pour se maintenir, voilà, je leur mets pas une pression supplémentaire, je leur dis toujours on aura ce qu'on mérite. Et on est très serein parce que ça fait un petit moment que voilà, on travaille bien, on n'a pas perdu aussi les deux derniers matchs et voilà, on se dit que le Gazélec peut-être aussi va peut-être lâcher prise un petit peu quoi, parce que voilà, ils ont eu cette montée la semaine dernière et peut-être dans les têtes voilà, ils sont soulagés et, Bon, on ne s'attend pas à un match facile, hein, mais on est serein. Je ne sais pas si ça peut jouer en notre faveur. Laval n'avait plus rien à jouer. Ils sont venus totalement libérés et ont fait un bon match. Sochaux n'a pas lâché la semaine dernière, donc je ne suis pas sûr que ce soit un gage de sécurité pour nous. Nous, la seule garantie qu'on doit avoir, c'est de nous de faire un bon match et essayer de le gagner. En tous les cas, le groupe que j'ai affaire à des vrais professionnels, quoi. Avec qui ont vraiment qu'une seule envie, c'est de réussir leur objectif qu'on s'est fixé. Quoi. On est en position de force par rapport aux deux autres équipes de derrière quand même. Il faut le souligner. On n'est pas obligé de gagner. Oui, mais ça serait le scénario catastrophe. Mais on est en position de force. Donc faut le dire aussi, c'est pas. Faut le dire. Si on a cette détermination-là, ça va passer facilement. Je pense que c'est la clé de ce match. Si on a ça, rien ne peut nous arrêter. C'est pas un problème pour nous. Ça doit être une émulation supplémentaire, tout simplement. Mais c'est vrai que demain, on a besoin que tout le monde mette ses égos dans sa poche. Et puis que ce soit supporter ou qui que ce soit, quoi. Et puis qu'il soit derrière une seule couleur, c'est la nôtre, quoi. Ouais, c'est vrai que quand il y a ce public-là derrière nous, ben c'est beaucoup mieux que des sifflets. Et je pense que demain, ils vont venir nombreux. C'est bien parce que ça montre que tout le monde n'est pas insensible à ce qui nous arrive. Ça montre qu'il y a encore des gens qui aiment notre club malgré ce qui s'est passé. Mais déjà, on avait pu le voir sur les dernières rencontres, hein, puisque Laval en avait fait un petit 9000. Donc ça montre que la tendance est en train de changer. Et ce que montre notre équipe est plutôt encourageante dans le cœur de nos supporters. C'est ça qui est important. Pas des spectateurs qui vont au théâtre. Voilà. Avoir des spectateurs acteurs. Voilà. Comme ils ont pu l'être par le passé.